Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Pep Guardiola, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, tu le sais bien, si c'est chez nous, on parle de foot. Si c'est chez nous, on est passionné de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, Pep Guardiola et son équipe est sur le point de faire le triplé. Manchester City est sur le point de faire le triplé, c'est-à-dire championnat, coupe et Ligue des Champions. Ils ont déjà remporté le championnat. Ils vont jouer la finale de FA Cup contre Manchester United. Et ensuite, juste après la finale de FA Cup, ils vont jouer la finale de la Ligue des Champions contre l'Inter de Milan. Ce qui fait donc que si City remporte le triplé, ils seront le deuxième club à l'avoir fait après le Manchester United de Sir Alex Ferguson. Du coup, donc, ça me permet de rebondir sur Pep Guardiola, les gars. Pep Guardiola, je pense que pour moi, avec Ferguson, ce sont les deux meilleurs coachs de tous les temps, les gars. Parce que certaines personnes critiquent souvent Guardiola, parfois à juste titre. Mais lorsqu'on voit ce que ce mec a gagné, les gars, c'est vraiment énorme, les gars. Lorsqu'on voit ce que Guardiola a gagné, on peut ne pas aimer le personnage, qu'il est trop. Il veut mettre la lumière sur lui, etc. Mais en termes de qualité de jeu, quand tu aimes le football, franchement, tu veux aimer son jeu. Tu veux aimer son jeu. Parfois, il était éliminé en Ligue des Champions de manière peut-être pitoyable. Mais lorsqu'on voit ce qu'il a fait, c'est un mec qui a révolutionné le football, les gars. Il a révolutionné le football. Et lorsqu'il est arrivé, en Angleterre, il y a de cela 7 ans. En 7 ans, il a gagné 5 Premier League. 7 ans, 5 Premier League, les gars. C'est énorme, non? Ce n'est pas énorme. Franchement, il n'y a que peut-être Sir Alex Ferguson qui est devant ce mec, qui est devant Guardiola. Guardiola, il faut respecter. C'est un coach qui a beaucoup apporté au football. Pour moi, il mérite vraiment, il mérite le respect des gens qui maîtrisent le foot, le respect des connaisseurs du foot. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi. Est-ce que tu penses que Guardiola est l'un des meilleurs entraîneurs de tous les temps avec Sir Alex Ferguson? Partage-moi ton ressenti en commentaire et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.